Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est Erkil qui va vous présenter une nouvelle vidéo. Donc en fait cette vidéo va être sur comment en fait faire pour à peu près allumer l'électricité, donc pour le premier niveau, et aussi pour ceux qui regardent cette vidéo simplement pour voir le à peu près le niveau. Donc vous ne pourrez pas voir le à peu près du niveau, c'est qu'en fait je vais juste montrer comment avoir quelques petits pour avoir certains trucs pour l'électricité, genre prendre avoir Kikribai, la boîte en fait, la boîte mystère. Donc vous verrez un petit peu le niveau, mais bon, direct, je vous conseille direct de prendre cette map, ce patch. Donc bref. Donc, alors attendez deux secondes, comme ça vous m'écouterez beaucoup mieux. C'est juste que je vais décaler ma chaise, parce que oui, je suis sur une chaise pour bien être installé et non sur un truc encore plus dur. Donc c'est parti. Donc je vais le mettre en facile pour des préférences, parce que cette map encore elle est un petit peu difficile avec vos robots géants et tout, donc voilà. C'était il y a longtemps, sur le champ de bataille de la Grande Guerre. Tour de deux, voilà. Deux scientifiques qui ont absolument réussi à maîtriser les forces. Donc là je suis obligé de laisser des deux. Ils pensaient que la découverte assurerait la victoire finale de l'Allemagne. Ils n'auraient jamais vu. Désolé, si vous m'avez vu. Puisqu'en fait, quand j'arrive à lumière, ça réduit la blancheur que vous voyez. Voilà, là, c'est bon, je peux passer. Voilà, alors en fait, déjà, il faut commencer par. Déjà, comme arme que je vous conseille de départ. Je vous conseille de prendre le balista. Parce que moi en fait avec le balista en fait quand vous tirez vous faites faut essayer de tirer le maximum possible dans la tête des zombies. Donc pour allumer le courant en fait c'est ça en fait. En fait je vais essayer d'avoir Kick Revive avec ça, donc je vous montrerai. Donc je vais faire cette manche là et je vais faire des points. Voilà, vous voyez pourquoi je vous disais de prendre le balista. Ah, j'ai pu tirer mon peu. Bon, voilà, 500. Donc, je me suis carrément remboursé le balista. En fait, ce que vous allez faire, c'est que ça coûte 200. En fait, vous allez l'enclencher. Après, regardez, vous allez voir des... Voilà. Voilà. Vous esquivez, en fait. Vous en tuez un ou deux, vous les esquivez tous. Donc une fois que ça vous fait ça, bah regardez Kick Revive il est bon, attendez je vais aller récupérer le petit cadeau qu'ils m'ont donné. Donc voilà Kick Revive ouais, voilà j'ai Kick Revive, donc après je vais vous montrer pour genre la boîte. Mais genre pour vous montrer la boîte. Voilà, donc je vais ouvrir. Ah oui, aussi un petit truc. Donc ici, vous avez une pelle. En fait, vous la prenez. Après, au moment où vous ouvrez la porte, donc style. Ça, c'est un petit truc caché du jeu. Voilà, ça. Quand vous voyez ça, en fait, et ben en fait, vous appuyez sur X et voilà. Oh bah. Nickel. Vous trouvez tout et n'importe quoi, en fait, à l'intérieur des trucs comme ça. Vous pouvez trouver aussi le bonus spécial du jeu, enfin, de la map. Voilà. Alors en fait, ici aussi, il y a un bug, mais je vais pas vous le montrer. Voilà, alors je vais monter ici. Donc dans le coin, ah voilà, il est là. Donc voilà, des fois vous pouvez tomber sur des zombies carrément. Allez, mais voilà. Alors en fait, pour le deuxième petit truc, alors voilà, pour monter ici là, en fait, quand vous êtes ici, hop. Donc là vous avez la K47U, mais bon, vous montez là.
Hop, voilà. Après, vous enclenchez ça. Après, bah, soit vous essayez de les esquiver ou vous en tuez un ou deux. Voilà. En fait, le but, c'est d'essayer de les esquiver. De toute façon, ça les tue tous, carrément. Donc, merde. En fait, logiquement, quelquefois, la boîte peut être ici. En fait, quand vous avez fait ça, la boîte, si elle est ici, en fait, vous avez simplement à la prendre, quoi. Vous avez simplement à prendre la boîte. Wow. Ah oui, je l'avais pas vu, lui. Il est pas assez grand, je crois. Peut-être 300 mètres de haut, mais je l'ai tellement pas vu qu'en fait, bah... Bon, alors, je vais ouvrir d'autres portes pour essayer de vous montrer réellement que ça marche, que c'est pas un fake. Je crois, donc c'est la porte du bas, je crois qu'il faut ouvrir pour... voici. Oui, c'est la porte du bas qu'il faut ouvrir. Ouvrir, pardon. Elle coûte combien? 1250? 1000. Ah, c'est celle du haut, alors. 1250. Ouais, je vais pas lancer une grenade comme ça, ça sera fait. 1000. Hop là. Donc, celle-là, en fait. Donc, je vais voir s'il y a bien la boîte. Voilà, elle est là, la boîte. Donc, je vais vous montrer... bah, après avoir bah, en fait, carrément, je vais montrer aussi carrément sans tuer d'espèce de chevalier. En fait, faut attendre que voilà. Voilà, vous avez vu, c'est fini. Voilà, tire-tête. C'est pour ça que je vous conseille le balista, parce qu'en fait, pour les tire-têtes, il est génial. Donc voilà, vous avez vu, j'ai 2000 déjà. Donc je vais faire, voilà, et voilà, le bouton vert. Tout à l'heure, il était rouge, donc là, avec le bouton vert, et voilà, je peux faire la boîte tranquille. Voilà, type 25. Et je vais même recommencer. Bon, par contre, il y a bien sûr l'ours en plus que vous avez. Bah... Ah, nickel! Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, nous sommes restés quand même ensemble pendant à peu près bah, je suis bête moi. Pourquoi je l'ai pris maintenant? Bon bah je vais vous laisser et bah je vous dis bonne chance pour bah pour ça. Ah oui, j'ai oublié un truc, en fait vous avez 6 trucs comme ça à faire. Vous en avez 6 en fait, des générateurs à faire. Après, je sais pas vraiment ce que ça fait, mais bon. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment aller sur le zombie tank. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bah, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.